L'entreprise a toujours stocké la quasi-totalité de sa récolte. Pour des questions pratiques, parce qu'on est un petit peu loin des silos. Donc de ce fait, on a plus été enclin à pratiquer la commercialisation au cours du jour qu'au prix moyen. J'avais quitté un autre opérateur qui avait un système qui fonctionnait bien, qui était plus onéreux. Depuis maintenant plus de deux ans, j'enregistre avec Simmarché. La prise en main a été relativement, j'ai trouvé, assez facile. Une fois qu'on maîtrise à peu près le marché à terme, il n'y a pas de complications particulières à l'enregistrement. Pour moi aujourd'hui, c'est surtout un outil intéressant pour acter la commercialisation de l'année, préparer l'année future, puis garder un historique de ce qu'on a fait. Déjà, c'est une présentation qui est plus propre. On a un suivi qui est instantané. On a une présentation graphique qui est intéressante. Alors, ce qui est intéressant aussi quand même, c'est qu'on a une simulation possible lorsqu'on a pris des positions sur le marché à terme, en faisant plonger le curseur en plus ou en moins en fonction de l'évolution du marché, on a une présentation des gains potentiels ou des pertes. Je pense qu'on est un peu plus performant justement dans notre prise de décision et dans la gestion des positions sur le marché à terme. Je pense qu'on gagne en performance, oui, c'est sûr. Et puis en formation aussi, parce que les choses évoluent, donc on acquiert un peu plus de compétences dans le domaine. C'est un produit qui me convient. En tous les cas, le prix qui était proposé sur l'année passée était en rapport du service attendu, me paraissait bien quand même.